Qu'est-ce qu'on leur dit justement aux joueurs avant ce match? Sur la semaine avant? Ouais, sur la préparation. Bah, le plus important c'est d'être positif, de toujours penser que tout est possible. Là, c'est comme vous avez dit André tout à l'heure, c'est pas encore notre exploit. On a envie d'avoir notre exploit, mais pour avoir notre exploit, bah, il faut passer ce tour-là, c'est impératif. Donc déjà que oui, qu'on a beaucoup de chances de pouvoir le passer, sans manquer de respect à sa réunion forcément, mais on est chez nous contre une équipe de notre poule. Donc on va beaucoup positiver, on va beaucoup insister sur des choses qu'on a l'habitude de faire. Et puis voilà, après ça sera... un joueur, s'il n'est pas motivé à 100% pour un match comme ça, je pense qu'il faut faire un autre sport à un moment donné. Donc là, voilà, ça sera juste des réglages qu'on va faire avec nos joueurs. Mais après, il n'y a pas grand chose à dire sur au côté émotionnel sur un 32e de finale. Quand vous sortez dans la rue là, en ce moment, est-ce qu'on vous en parle de ce 32e de finale? Enfin, dans la rue, non. Puis en plus, il est fête de Noël, donc c'est vrai que... Mais moi, personnellement, je ne me suis pas fait aborder dans la rue en parlant de ça. Mais après, oui, c'est vrai que tous nos amis, la famille, nous en parlent beaucoup. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle que de la Coupe de France. On parle avec moi de football, c'est clair. Quand on est entraîneur, on est impatient, on mange bien, on vit bien une semaine de ce match très important. Bah, cette semaine, on mange bien, ouais, forcément, c'était une fête. Donc là, on a même trop bien mangé. On dort bien, non, parce qu'on pense à tout, on essaye d'anticiper tout ce qu'il peut y avoir comme souci. Mais après, c'est toujours pareil, on peut être capable d'anticiper tous les problèmes d'un match, d'un adversaire, nos problèmes à nous. La vérité, c'est sur le terrain. Contre Grenoble pensait surtout pas prendre un but au bout de 45 secondes. Donc après, les faits de jeu feront la différence. Nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de préparer les joueurs au mieux possible par rapport à l'événement qui nous attend. Après, c'est le terrain qui fera la différence. Alors, il n'y a pas encore cet engouement, peut-être, de pouvoir jouer contre une Ligue 1, justement. Même question qu'au coach, est-ce que vous êtes déçu de ce tirage au sort? Ouais, forcément déçu, et encore une fois, sans manquer de respect à sa réunion, parce que, en plus, c'est une équipe de la poule, je veux dire, sans parler que c'est du même niveau que nous, c'est dans la même poule, donc c'est, voilà, on n'a pas l'impression que c'est un match de Coupe de France, en fait, au final. Et puis voilà, les gens autour qui nous parlent justement de cette Coupe de France me disent, bon, bah, c'est bon, vous les avez battus chez eux, c'est sur la même poule, vous allez passer, alors que ça n'a rien à voir, que ça va être un match très compliqué, et que je pense, voilà, on a encore plus de pression que si c'était un club de Ligue 2 ou Ligue 1 où là on n'avait rien à perdre.